Bonjour, c'est Jérémy Jouve, bienvenue sur Savarez TV. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de mon dernier album, Jérémy Jouve and Friends, consacré à la musique de chambre de Mathias Duplessy. Voilà, on est dans mon studio d'enregistrement à côté de Paris. On va parler un peu de l'album de Jérémy Jouve, qui est sorti récemment. Alors cet album, c'est l'histoire d'une rencontre déjà. Ma rencontre avec Mathias Duplessy par un hasard de la vie, il y a une douzaine d'années. Le jour de cette rencontre, Mathias m'a présenté une œuvre qu'il avait écrite, appelée Cavalcade. Je suis rentré chez moi, j'ai déchiffré cette œuvre, et je l'ai appelé, peut-être pas le jour même, mais certainement le lendemain, et je l'ai supplié d'en écrire beaucoup d'autres. Et là, Jérémy Jouve and Friends, on s'est consacré à ma musique de chambre, qui avait été de temps en temps enregistrée dans d'autres pays, par d'autres gens. Et Jérémy a décidé de compiler toutes ces pièces que j'ai faites autour de la guitare. Donc guitare violon, guitare violoncelle, 4 guitares, 2 guitares, guitare mandoline, et guitare solo aussi. Il y a quelques pièces pour guitare solo qui jouent dans cet album. Alors donc j'ai sollicité tous ces amis qui sont des gens extraordinaires, des musiciens vraiment que j'admire, à me rejoindre pour cet enregistrement. Pour le Quatuor par exemple, j'ai fait appel à la nouvelle génération, si on peut dire, non pas que je me considère comme très âgé, hein, mais voilà, c'était un plaisir de pouvoir les inviter sur un projet, donc Thibaut Garcia, Armen Doneyan, Samuelito. J'ai pris énormément de plaisir à participer à ce projet Duplessy avec Jérémy Jouve et dans Squature particulièrement parce que c'était la première fois qu'on jouait tous ensemble et je trouve qu'il y a une énergie qui s'est dégagée extraordinaire de cette musique et puis de l'entente entre tous les musiciens, donc franchement c'était absolument génial. Des personnalités très différentes que vous connaissez déjà, qui ont apporté vraiment une vivacité et quelque chose de très frais à cet enregistrement. Enfin, on se connaît déjà, on s'entend déjà très bien, mais il y a tout de suite eu une alchimie vraiment géniale et hyper agréable, quoi. Et même pendant l'enregistrement, ça s'est passé vraiment de manière détendue et on a très vite réussi à faire ce qu'on avait exactement envie de faire. Et du coup, voilà, ça a été un truc génial de bout en bout. On a tous des personnalités très différentes et c'est ça qui était chouette, c'est qu'on n'a pas fait un travail de quatuor spécialement où on a dû trouver un son, mais on a tous des identités qui ressortaient, vraiment. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé chouette dans ce quatuor, justement. De Julien Martineau, je connaissais mal la mandoline, il m'a fait écouter ce son incroyable. Pour moi, Julien Martineau, c'est une espèce, moi qui viens aussi du jazz, une espèce de, dans le son, le Pat Metheny de la mandoline, quoi. Un côté de gommer l'attaque et d'avoir un son très onctueux, très rond, très chaud. Et j'ai redécouvert cet instrument et en écoutant son son, j'ai composé ce morceau qui s'appelle Cyrano, qui est un morceau héroïque, un morceau avec une espèce de noblesse d'âme, comme ça, assez virtuose, mais en même temps où Julien arrive à l'intérieur, alors que c'est très métronomique, à jouer avec le tempo, à apporter ce côté classique et romantique à l'intérieur de cette pulsation un peu métronomique. Il a apporté quelque chose d'incroyable, un lyrisme. C'est un mandoliniste complètement à part dans une recherche sonore très particulière et que je trouve sublime. Et évidemment Pierre Fouchenray au violon, François Salque, voilà, qui sont vraiment... je vous encourage à écouter leurs enregistrements, c'est absolument fabuleux. Voilà. même si je connaissais pas bien ces musiciens, parce que je suis pas imbibé dans le milieu classique comme lui, eh bien j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai écouté, et ils m'ont inspiré. Donc j'ai écrit par exemple une pièce pour violon et guitare qui s'appelle Les larmes d'Egberto, en hommage à Egberto Gismonti, qui m'a beaucoup influencé. Et je me rappellerai toujours Rolandien, qui était venu me voir à la fin du concert et qui m'a dit « Tu es le nouveau Gismonti français ». Je trouve ça incroyable qu'il me dise ça, parce que c'est tellement un honneur qu'il me dise ça, j'adore tellement Gismonti. Et donc c'est un morceau qui est un peu inspiré de la musique de Gismonti, qui s'appelle « Les larmes d'Egberto », qu'a joué Pierre et Jérémy. Donc ça, je l'ai écrit spécialement pour l'album. On a eu la chance en plus d'enregistrer ça dans un lieu magnifique qui est le château d'Hérouville. Il y avait une ambiance super agréable, dans un lieu qui est vraiment chargé d'histoire musicale notamment, puisque ça a été un studio mythique qui a été à l'abandon pendant pas mal d'années et qui vient justement là d'être réhabilité avec un ingénieur du son génial, Jean Taxi, qui nous a fait un son absolument fou. C'est un magicien du son aussi, on a été tous bluffés par cette sonorité à la fois proche, on a l'impression d'avoir les instruments très proches et en même temps chaleureuse, précise. J'étais plus comme moi qui suis cinéphile, comme un réalisateur qui indique un peu des émotions, qui indique des mots parfois un peu fantasmagoriques, un peu oniriques des choses. Musicalement, tout était écrit, tout était là, je ne pense pas que j'ai modifié grand-chose. De toute façon, ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Jérémy s'est bien entouré. Un réalisateur, c'est comme un capitaine de bateau avant de partir. Le plus important, c'est sur les quais, c'est quand il choisit son équipe. Une fois que l'équipe est bonne, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est magnifique, on les laisse faire et c'est bon. Alors pour cet enregistrement, j'ai utilisé une guitare du luthier genevois Jacques Vincenti. C'est un luthier qui se consacre, qui est déjà un grand amateur de guitare ancienne et qui finalement fait très peu de guitare. Alors je suis un chanceux d'avoir une de ces guitares que je trouve somptueuse, qui est un modèle inspiré assez largement de Henrique Garcia, grand luthier espagnol du début du XXe siècle. Une guitare riche qui sent le bois, j'allais dire, modulable, légère, très réactive. J'ai adoré vraiment enregistrer cette musique-là avec cette guitare. J'ai mis des cordes Savarez, évidemment, dessus, et j'utilise les cordes Cantiga Premium pour les basses, tension bleue, et les alliances rouges pour les aigus. J'ai rencontré Savarez, j'ai rencontré les cordes étant jeune adolescent, donc il y a déjà quelques années, 25 ans à peu près. C'était par l'intermédiaire de mon professeur Eric Franci, qui est un grand ami, je dirais, de Savarez depuis longtemps. Et voilà, je suis tombé dedans, on va dire, et je suis jamais ressorti. J'ai essayé, hein, pourtant, j'ai essayé d'autres cordes, etc. Mais c'est vrai que déjà les aigus, il y a cette définition du son, ce corps du son qui est rond et puissant, je dirais, et en même temps cette capacité de modifier la sonorité, d'avoir aussi des sonorités très légères, des très modulables, de la rondeur jusqu'à la clarté. J'aime beaucoup cette explosivité, cette précision en fait, et cette réponse rapide, cette clarté des aigus. Les basses, c'est la même chose. En fait, ce que j'aime bien dans ces basses cantigas, c'est le côté très chantant. La sonorité aussi, c'est vrai que la guitare, on connaît bien. On adore ça, c'est les sonorités de violoncelle, etc. Et on retrouve vraiment dans ces cordes, Cantiga Premium, cette possibilité de chanter avec un beau sustain. Et voilà, c'est vrai que avec ces cordes-là, je suis un petit peu à la maison. Encore une fois, bien sûr, quand je change de guitare, etc., j'essaie différentes cordes. Et je dois dire que je reviens toujours à ces cordes-là. Voilà, avec grand plaisir en tout cas. Ben, pour le coup, par exemple, je trouve que l'instrument joue beaucoup par rapport au réglage aussi, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai une guitare qui bouge beaucoup, donc j'ai besoin de cordes aussi qui stabilisent assez bien, parce que sinon ça bouge tout le temps, je pense que c'est à cause des tensions sur la table aussi. Donc Savarez pour ça c'est bien parce que ça bouge pas trop, donc ça me permet d'avoir quand même une justesse plutôt ajustée tout le temps. Ça fait des années que je joue les cordes Savarez, et alors j'aime bien essayer aussi en fonction des répertoires, d'essayer des différents jeux de cordes, mais en général ce que je mets c'est des Cantiga Premium rouges dans les basses, parce que j'ai une guitare qui fait de la main assez tendue en cordes, en tension sur la table, et puis dans les aigus alors je mets des Alliances Bleues, et sur la première corde ben, j'alterne entre soit du nylon avec les new cristal, soit des Alliances en fonction du répertoire que je vais jouer. Ça fait maintenant je pense une quinzaine d'années que je joue sur des Alliances Bleues et Cantiga maintenant. Alors à l'époque c'était pas Cantiga, elles sont nouvelles, mais j'ai toujours joué sur des cordes Savarez, et voilà, je continue de prendre toujours autant de plaisir jeu après jeu de travailler dessus. C'est vraiment sur ces cordes en fait que j'ai fait mon son, puisque je les porte depuis l'époque où j'ai commencé à avoir mes premiers ongles, et donc du coup mon son à moi je le retrouve que avec les cordes Savarez, et en plus il se trouve qu'elles durent très longtemps, donc voilà, c'est que du positif. C'est vrai qu'en classique quand même on joue souvent avec le même instrument, souvent. Alors, on peut en avoir deux, on peut changer, mais souvent le même instrument, parce qu'on développe aussi une identité sonore, une patte très personnelle, et non c'est vrai que moi c'est ma guitare, et du coup le fait d'utiliser des cordes différentes, ça la fait sonner différemment. Et quand tu dois jouer justement un répertoire où tu dois projeter énormément, par exemple, je vais plutôt utiliser des Alliances dans les aigus, et pour des choses plus intimes, je vais plutôt mettre du nylon. C'est plus chaleureux, c'est plus chatoyant, moi j'aime bien. On peut jouer sur d'autres guitares parfois, tout simplement parce que c'est difficile de voyager avec ta guitare de temps en temps, donc on t'en prête une, mais c'est pas les mêmes repères sonores, parce que généralement, on s'habitue à l'instrument, on arrive à la jouer techniquement, mais une guitare, on a besoin de l'apprivoiser, on a besoin de la connaître, de savoir que quand on fait tel geste, ça va rendre tel son. Et du coup, moi, ma guitare, je la connais hyper bien, donc je sais ce qu'elle va donner, quoi. Une nouvelle guitare que je vais travailler qu'un jour ou deux, j'aurai pas le temps de la connaître suffisamment pour, en tout cas, l'exploiter à 200%. Cette musique me touche profondément, c'est une musique qui est issue d'un profond métissage culturel, qui est toujours sincère, touchante, parfois évocatrice, et elle m'a touché tout particulièrement. C'est une part de ma vie de compositeur qui est énorme, parce que j'ai commencé à composer petit jusqu'à aujourd'hui, et c'est je pense que le meilleur de moi-même que j'ai donné là-dedans, et avec des artistes qui ont sublimé. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est vraiment là qu'il y a une rencontre avec les artistes, et qu'on fait quelque chose, et puis après quand c'est joué par de tels musiciens, on se dit waouh, c'est encore mieux que ce que je pensais. Une chose que je souhaite développer et que je développe de plus en plus, c'est le travail de création. En tant qu'interprète, on est inscrit dans une époque, on est les témoins d'une époque, et je crois que c'est important de travailler auprès des compositeurs, de s'en rapprocher, de solliciter des œuvres, de participer à élargir le répertoire de la guitare. C'est énorme pour moi parce que c'est ce que j'ai fait de plus ambitieux, de plus conséquent au niveau de la composition qui est regroupée sur cet album. Et pour moi, le fait que cet album sorte, c'est vraiment comme si mon premier roman qui représentait 8 tomes était sorti, que maintenant je sais pas ce que je vais faire, je me retrouve dans le vide et je recommence à zéro. Mathias Duplessy est aussi quelqu'un qui me surprend tout le temps. Il joue d'une trentaine d'instruments, enfin je sais pas, en fait on les compte pas, mais j'en découvre à chaque fois quasiment. Là il vient d'ailleurs de me montrer un nouvel instrument. Et voilà, j'ai eu plein de surprises lorsque je lui ai demandé la pièce de François Salque, s'il voulait bien écrire une pièce pour François Salque et moi en duo. J'ai reçu donc quelques semaines après un enregistrement et il me dit voilà bon c'est une œuvre que j'ai écrite pour vous deux et bon je joue le violoncelle, c'est pas terrible hein, tout ça, mais bon en fait on a été bluffés, on s'est dit c'est pas possible quoi, c'est lui qui joue la guitare et le violoncelle, voilà. Donc c'est aussi toujours très porteur de collaborer avec des gens aussi talentueux. C'est vraiment la continuation de notre rencontre, de notre travail, de notre route à chacun. Et chacun, on s'influence. Lui, il a influencé ma façon d'écrire. Et je dirais qu'il même il a influencé ma carrière de compositeur classique, entre guillemets. Si on peut appeler ça de la musique classique, après là, c'est un autre débat. Et puis moi, j'ai peut-être influencé la carrière de Jérémy, il le dira lui-même. Et en plus de ça, on s'est aussi influencé finalement. Je crois que la rencontre avec Mathias a changé aussi des choses. Pour moi, m'a encouragé à aller dans certaines directions, à explorer certains aspects musicaux, certaines techniques, même des techniques flamenca que je ne maîtrisais pas avant, une certaine gestion du tempo. Il y a des œuvres qui reposent vraiment sur la capacité à tenir une pulsation, un certain groove du début jusqu'à la fin. Ça, c'est des choses qu'on retrouve moins dans le répertoire plus classique, encore entre guillemets. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument exaltant que je me sens très chanceux de vivre ça, cette expérience-là avec Mathias Duplessy. Voilà, c'est vraiment pour moi une expérience si nouvelle, tout simplement. Et ça, c'est très très important, je trouve, en tout cas dans la vie, d'être émerveillé, d'apprendre, et la curiosité se fait reculer l'horizon au fur et à mesure. Et plus l'horizon s'éloigne, plus tu apprends, plus l'horizon s'éloigne. C'est différent, on pourrait croire que l'horizon, non, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'il te reste à apprendre. Et ça c'est une joie, c'est une joie de la vie, un des bonheurs de la vie, intarissable, c'est l'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Savarez TV. Et donc je vous rappelle le titre de mon dernier album, Jérémy Jouve and Friends, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Bien évidemment l'acheter, c'est encore mieux, c'est un très bel objet. Et vous pouvez également me suivre, suivre mes actualités sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt sur la route des concerts. Merci.